Good morgen, Aleid, en l'essus aujourd'hui, les Louis Nishmat Dov Ben Yudit et Vatar Amram Ben Chedvar Yester Bat Miriam Etzrak Peretz Ben Fortuna. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechat Shabbat Periktet Mishnah Vav. Pilpelet Kol Shehi Ve Itran Kol Shehu Mine Besamim U Mine Matachot Kol Shehen Me Avne Amizbeach U Me Afar Amizbeach Mekek Sfarim U Mekek Mitpechotehen. Kol Shehu, Shemasnin Otan le Gonzan, Rabbi Yehuda Omer Afamotzi, Mimeshamshe Avoda Zara, Kol Shehu, Shenemar Valo Idbak Beyadecha Meuma Min Acherem. On continue à découvrir dans notre Mishnah encore les quantités requises pour transgresser l'interdit de Shabbat, à savoir, on a déjà dit, pour transgresser les interdits, tous les interdits de la Torah, pour la plupart, il faut une quantité requise pour enfreindre l'interdit, pour transgresser et être condamnable sur l'interdit qu'on transgresse. Pour l'interdit de porter des choses à Shabbat, alors ça fait maintenant peut-être une dizaine, douzaine de Mishnayot qu'on découvre pour toutes sortes de produits quelle est la quantité minimale requise. Et à présent, on va avoir une série de cas de produits, d'objets dans la Mishnah où la mesure va être kol shehu, un tout petit peu. Même quelques petites gouttes vont suffire pour transgresser l'interdit. En l'occurrence, on commence avec le premier, pilpelet. Alors pilpelet, un pilpel en hébreu, c'est du poivre. Pilpelet, ça pourrait être traduit comme du poivre, mais ça ne peut pas être du poivre, je vais vous expliquer pourquoi. Mais la Mishnah dit kol shehi, même un tout petit peu, ça suffit. On parle ici d'une graine apparemment ressemblante au poivre que l'on mettait dans la bouche pour neutraliser les mauvaises haleines. On ne parle pas du poivre qui est une épice, parce que le poivre épice, alors on avait vu en haut, on avait appris sur la Mishnah précédente, on avait dit tavlin, qui avait une quantité requise qui dépendait de l'œuf. Nécessaire pour donner un petit pour faire un œuf parfumé. Là, en l'occurrence, on parle d'un poivre qu'on met dans la bouche pour neutraliser les mauvaises odeurs de mauvaise haleine. Et donc du coup, ce grain de poivre là, même kol shehu, même s'il est tout petit, on transgresse l'interdit, même s'il n'y en a qu'un, ça suffit pour faire de l'effet. Ve itran de nos, alors itran, c'est compliqué. Il y a le itran, le neft. Dans le zéphet. Il y a le pétrole, la poix, le pétrole et le goudron. Itran, apparemment, c'est plus le goudron. J'ai du mal à chaque fois que je touche à ce sujet-là, j'ai pas compris comment il était produit à l'époque. Ces trois choses-là, c'est un, il est dérivé de l'autre. La poix, c'est ce qui est de. C'est l'issue en général du pain. C'est ce qui est l'élément primaire avec lequel on enduit. Après, de là-bas, je ne sais pas comment est-ce qu'on fabrique le goudron et comment est-ce qu'on peut aussi parfois atteindre du pétrole. C'est en rapport. Itran, concrètement, je crois que c'est plutôt le goudron. Non, le goudron. Et alors la Mishnah m'a dit kol shehu, même un tout petit peu de nouveau. Et à quoi ça sert? Alors le Barthénois nous dit, ça sert à soigner les maux de tête, mais pas les maux de tête. Il dit kev chatsi arosh, la moitié de la tête. C'est-à-dire si on a juste mal à la moitié droite, par exemple, ou la moitié gauche, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec le pétrole si on l'avale ou si on l'étale dessus. Pourquoi que la moitié et pas toute la tête? J'ai aucune idée. En tout cas, c'était la médecine de l'époque, c'était comme ça. Mine Bessamim, différents encore, différentes espèces de plantes, de bonne odeur. Ou encore Mine Matachot, ou même des espèces de toutes sortes de métaux. Kol Shehen, même une petite quantité suffit. Pour les bonnes odeurs, alors c'est normal, même une petite odeur. Même prenez un petit grain de lavande, ça diffuse une odeur agréable. Donc, on transgresse à l'interdit de Shabbat, parce que, apparemment, selon la règle, c'est quelque chose qu'on peut des fois garder pour le mettre quelque part, pour que ça diffuse une bonne odeur. Au Minamatachot, même un petit bout de métal, j'imagine que ça date de l'époque où les métaux, ça se trouvait pas à n'importe quel paquet de quoi que ce soit qu'on va acheter, qu'on va se retrouver avec au moins un petit fil de métal dedans. C'était plus une denrée plus ou moins rare. Et du coup, le Barthénois, il explique que ça sert à en faire un petit clou, par exemple. Donc, kol shehen, même un tout petit peu. Mais avne à misbeach ou meafar à misbeach. Mekek sfarim ou mekek mitpechotehem, kol shehu shematzin notan negonzan. Nouvelle série maintenant. Je traduis d'abord la fin. On va voir toute une série de choses qu'il faut garder pour pouvoir les enterrer, pour être gonez otan, pour les enterrer. Vous savez que par exemple, un livre. Après utilisation, un livre kadosh qui s'est même abîmé, eh ben on le jette à la poubelle.
On l'enterre, on le met à la Gniza. Maintenant, il faut savoir aussi quelque chose qui n'est pas tellement connu, mais qu'il faut savoir, c'est que si on a un petit bout de page d'un livre qui va tomber, même tout petit, eh ben, il faut aussi le mettre à la Gniza. On ne peut pas le jeter à la poubelle. Et du coup, puisqu'il faut le mettre à la Gniza, alors dans ce cas-là, même un petit peu, on veille à ne pas le laisser le jeter, mais à le conserver pour partir le jeter Bekavod. De ce fait, même si on va transporter même un tout petit peu de. Un petit bout de feuille de livre de Kadosh, eh bien, on transgresse l'interdit de porter à Shabbat si on le transporte. Pourquoi? Parce que, selon la règle, Kol a kasher la signer en Massin Kamo. Tout ce qui est apte à être conservé, et qu'on a l'usage de conserver cette quantité-là. En l'occurrence, on conserve cette petite quantité. Et du coup, en fait, toute la série qu'on a vue tourne autour du même principe. Mais à venir à Misbeach, on parle des pierres du Misbeach de l'autel. Si on avait même un petit bout de pierre de l'autel, un petit bout du Kotel. Ouais, il y a une gdoucha dessus. Ou encore, on met afar à Misbeach, encore même de la terre du Misbeach. Le Misbeach, l'autel, il était construit avec de la terre, essentiellement. Misbeach Adama Ta'aseli. Donc, de nouveau, cette terre-là, elle est kadosh, et il faut l'enterrer. Idem pour le Mekek Svarim. Mekek Svarim, c'est du livre usé qui s'est effrité. Ou encore, au Mekek Mit Pechotem. Même un mekek, ça veut dire quelque chose, une poussière effritée, même pas du livre directement, mais plutôt de la mitpachat du livre, du foulard, c'est-à-dire de l'étui du livre. Même lui, il a une gdoucha, il faut l'enterrer. Kol Sheu, tout cela se mesure même avec une petite quantité infime, pourquoi? Chez Matsniin, Otan et Gonzan, car il est d'usage de les conserver, de les cacher pour pouvoir les enterrer ensuite. Selon le principe que tout ce que je vais, tout ce qui est d'usage de conserver, alors on transgresse l'interdit si on transporte cette chose-là. De ce fait, en l'occurrence, pour tous ces cas de figure, on garde toutes ces petites particules pour les enterrer proprement Bekavod, donc on transgresse l'interdit sur les transports pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Afamotzi Meshamche et Mimeshamche Avodazara. Rabbi Yehuda nous dit, sache que le principe sera le même aussi pour les Meshamche Avodazara, pour toutes les Avodazara, l'idolâtrie, et même les méchamchim, les ustensiles de la Avodazara, que quoi, hein? Kol Sheu, même eux, on transgresse pour eux l'interdit, même si on va transporter même un tout petit morceau pendant Shabbat. Pourquoi? Chez Neymar, comme dit le Pasuk, rien ne sera, ne restera dans tes mains, rien du tout, minachrem de ce qui a été, éloigné, interdit, en deux mots. La Torah, elle me dit, tu sais, la Vodazara, tu vas, tu détruis tout. Et tu ne rapportes rien avec toi. Rien du tout, du tout. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai un petit bout de pierre de la Vodazara? Même lui, je ne dois pas le garder. Qu'est-ce que je dois le faire? Je dois le détruire. Aller l'enterrer. Aller le détruire. De ce fait, même avec un petit peu de la Vodazara, on transgresse l'interdit de porter un Shabbat. Telle est la vie de Rabbi Yehuda. Chachamim ne sont pas d'accord sur ça. Parce qu'ils nous disent en fait, Chachamim, que c'est vrai qu'il faut les éjecter, les sortir de sa maison. Mais malgré tout, il n'est pas d'usage de conserver ces choses-là. Ouais. Et de ce fait, on transgresse plus, on remplit plus la Mishnah qui me donnait la règle que la kasher la tsnia, tout ce qui est apte à être caché, camouflé, conservé, eh bien, ça, c'est pas apte à être conservé, c'est apte à être, au contraire, directement éliminé totalement. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.